Salut à tous, chers téléspectateurs de Cameroun Info. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour l'avenir politique du Cameroun. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez dans les pages de cette édition. Cameroun, un général de Paul Biya dans une situation inquiétante. Partez à la rencontre de personnes inspirantes, d'histoires fascinantes et de reportages inédits qui vous feront découvrir des pièces méconnues de notre monde. L'article que vous lirez ici est le fruit du travail acharné de nos journalistes et de notre engagement envers la vérité, l'équilibre et l'intérêt public. Nous sommes fiers de vous accompagner dans votre quête d'informations fiables et pertinentes. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'Écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Cameroun, un général de Paul Biya dans une situation inquiétante. Le général de division Camille Nkawa Atanga est-il décédé? Des informations diffusées sur les réseaux sociaux depuis quelques heures évoquent la mort du haut cadre de l'armée camerounaise dans un hôpital privé de Paris. Selon les confrères de Cambé.bi qui sont entrés en contact avec l'ambassade du Cameroun en France, il n'en est rien. Camille Nkawa Atanga n'est pas mort. Mais selon des sources sécuritaires, cette information a très vite été démentie par l'attaché de défense de l'ambassade du Cameroun à Paris en France, ainsi que par Dr Pondy, le responsable de la gestion des dossiers d'évacuation de l'ambassade du Cameroun en France, rapporte le média. La situation de Camille Nkawa Atanga est pour le moins inquiétante. Âgé de 83 ans, il était victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC. Sur instruction des autorités du Cameroun, feu vert fut donné pour son évacuation sanitaire à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Les informations venant de l'ambassade du Cameroun en France ne rassurent pas certains Camerounais car selon des sources concordantes, le général avant son évacuation serait dans un état critique. Il aurait perdu connaissance et serait plongé dans un profond coma. Camille Nkawa Atanga est l'auteur d'œuvres littéraires Miranda. Sa famille avait confié il y a quelques journalistes ses inquiétudes à Mimimefo Info. Il se trouve en soins intensifs dans un hôpital de Paris. La situation est certes critique, mais nous espérons que tout va revenir dans l'ordre normal des choses par la grâce de Dieu. On craint juste que son âge avancé 82 ans, joue en sa défaveur, indique la source. Natif d'Ocala, département de l'Alequier, il fut respectivement commandant de compagnie et commandant de bataillon à Buéa, chef de division de la formation de l'EMIA, chef du secrétariat militaire. En 1993, il fut nommé commandant de la 2e région militaire de Douala puis général de division en 2001. Roman Les enfants de la révolte muette, de survivre à la rumeur des réseaux sociaux. Et tout dit, voici les quatre plus puissants ministres de Paul Biya. Dans le paysage politique camerounais, le pouvoir est souvent concentré autour de quelques figures influentes au sein du gouvernement. Sous la présidence de Paul Biya, plusieurs ministres d'État occupent des postes clés, contribuant ainsi de manière significative à la gouvernance du pays. Voici un aperçu des ministres les plus puissants du Cameroun actuel. 1. Monsieur Joseph Dion Nguté, Premier ministre, chef du gouvernement. En tant que chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté occupe une position de premier plan dans l'administration camerounaise. Il est responsable de la mise en œuvre des politiques gouvernementales et de la coordination des activités ministérielles. Sa proximité avec le président Biya en fait l'un des ministres les plus influents du pays. 2. Monsieur Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, est un vétéran de la politique camerounaise. Son rôle en tant que ministre du Tourisme et des Loisirs lui confère un pouvoir considérable dans la promotion du tourisme, un secteur clé de l'économie camerounaise. 3. Monsieur Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Laurent Esso occupe une position centrale en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il est chargé de veiller à l'application de la loi et de garantir l'indépendance du système judiciaire. Son rôle est crucial dans le maintien de l'ordre et de la justice au Cameroun. 4. Monsieur Jacques Faye Mendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Jacques Faye Mendongo est un autre ministre d'État dont le pouvoir s'étend sur un domaine crucial, l'enseignement supérieur. Il joue un rôle clé dans la gestion des institutions éducatives supérieures du pays, contribuant ainsi à façonner l'avenir académique du Cameroun. Ces ministres d'État occupent des